et le chapeau de Nanou. Eh bien, bravo, Nanou. Nous sommes tous très fiers de toi. Oh, mais tu sais, je ne suis pas la seule à être invitée à la réception de Monsieur le maire ce soir, papy. Oui, mais c'est toi la plus importante, Nanou. Non, pas vraiment, Zou. Tu habites dans cette ville depuis plus longtemps que tous les gens qu'on connaît. Et c'est pour ça que tu es invitée. Plusieurs de mes vieux amis seront là, eux aussi. Je suis sûre que les autres invités porteront quelque chose de neuf pour une telle occasion. Oh, ma robe bleue et mon vieux chapeau à plumes me vont encore très très bien. Ton vieux chapeau est un peu défraîchi. Tu devrais en acheter un neuf, Nanou. Il faut que tu paraisses à ton avantage. Et si on faisait les magasins? Allez, Nanou, achète un chapeau neuf. Achète un chapeau neuf. Oh, eh bien, si vous êtes tous d'accord. Mon avion en papier peut rester en l'air plus longtemps. Vol! Oh, il n'a pas volé longtemps. Et aucun des deux avions n'est allé très loin. Oui, mais le mien est allé un peu plus loin que celui de Zou. Je me demande quel type d'avion pourrait aller loin et voler longtemps. Vous devriez essayer d'utiliser des plumes. Bonjour, Poc. Les plumes marchent très bien pour les oiseaux. Elles devraient vous aider. D'ailleurs, il y en a peut-être dans le jardin. Moi, je vais regarder dans les buissons. Et moi, je vais voir si je peux en trouver chez moi. Moi aussi. Tu t'es trouvé un nouveau chapeau, Nanou? Oh oui, mon Zou. J'ai un joli chapeau tout neuf. En tout cas, je n'aurai plus besoin de mon vieux chapeau à plumes. Le vieux chapeau de Nanou. Elle a dit qu'elle n'en aurait plus besoin, alors. Super. J'ai trouvé quelques plumes. Moi, j'ai pas trouvé de plumes dans le jardin, mais j'ai trouvé une très grande feuille. Oh non, c'est nul. Ne t'inquiète pas, Zach, j'ai quelque chose qu'on peut partager. Tada! Oh. Moi, j'ai trouvé des tas et des tas de plumes. Waouh! Il y en a assez pour faire au moins 20 avions. Venez, on va en fabriquer plein. Si vous inclinez les plumes de la queue, votre avion décollera plus facilement. Ça va comme ça, papy? Parfait, Zou. Et le mien? Oh, bravo, Elsée. J'ai fini. Excellent. Voyons-les à l'œuvre. Youpi! 1, 2, 3, parti! Ils volent haut! C'est mon avion le plus rapide, wouhou! Oh. Oh. Le mien est toujours en l'air. Mais enfin, que s'est-il passé? Je n'en ai pas la moindre idée. Je l'ai laissé ici dans ma chambre quand nous sommes rentrés. Oh, pas question d'aller à la réception de Monsieur le maire avec un chapeau sans plumes. Tu devrais quand même y aller, Nanou. Tu as encore ton vieux chapeau. Non, c'est toi qui avais raison. Comparé au neuf, mon vieux chapeau a l'air tout défraîchi. On peut retourner au magasin. On n'a pas le temps. De toute façon, aucun chapeau ne me plaira autant que celui que je venais d'acheter. Mais tu te faisais une telle joie de sortir ce soir, Nanou. N'en parlons plus, mon enfant. 1, 2, 3, partez!
Faites moins de bruit. Qu'est-ce qu'il y a, papy? Nanou a de la peine. Mais elle allait bien avant de faire les magasins. Eh bien, d'après ce que mamie vient de me dire, ça ne va plus du tout maintenant. Oh. Nanou! Oh, mon petit Zou. Tu vas bien? Oui, merci, Zou. Mais tu ne devrais pas te préparer pour aller chez Monsieur le maire? Non, je ne vais pas y aller. Mais pourquoi? Nanou est très contrariée. J'avais prévu de porter mon nouveau chapeau, mais il est tout abîmé. C'est pour ça que je n'y vais pas. Oh non! Papy! Papy! Hein, Zou? J'ai fait une grosse bêtise. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris les plumes du nouveau chapeau de Nanou pour fabriquer nos avions. Je ne l'ai pas fait exprès. Je pensais que c'était son vieux chapeau. Elle venait de dire qu'elle n'en avait plus besoin. Je ne savais pas que c'était son chapeau neuf. Regardez, il reste encore quelques plumes dessus. Oui, mais plus assez. À cause de ça, Nanou ne veut plus aller chez Monsieur le maire ce soir. Oh non, elle avait tellement hâte d'être à ce soir. On doit trouver une solution, papy. Elle doit absolument y aller. Et si on décorait son chapeau? On pourrait utiliser des plumes et même des fleurs. Des fleurs? Pourquoi pas? Elles sont jolies et il y en a partout. Rouge, blanc, rose, tu penses que ça fera un beau mélange, Elsie? C'est parfait, Zou. Merci, Poc. Attention aux roses, Zou. Elles piquent. Et si on mettait une autre marguerite? Bonne idée, Zach. Je pense qu'il faudrait plus de lys pour le tour du chapeau. Ça sent vraiment bon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est superbe. Et si on mettait un gros lys violet sur le dessus? Ça va être le chapeau le plus beau du monde. Nanou, Zou a quelque chose à te dire. Oui, mon chéri. C'est moi qui ai pris les plumes de ton chapeau, Nanou. Toi? Mais pourquoi? Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai cru que tu n'en avais plus besoin. Et je les ai mises sur nos avions pour jouer. Tu aurais mieux fait de me demander la permission avant, Zou. Je suis vraiment désolée, Nanou. Allez, Zou, montre-lui. J'espère qu'il te plaira. Oh, il est magnifique. Oh, il est même 100 fois plus joli que celui que j'ai acheté ce matin. Oh, je peux aller à la réception de Monsieur le maire maintenant. Oh. Oh. Merci, Zou. Zach et Elsie m'ont aidé. Oh, alors merci à tous les deux aussi. Oh, voilà un cadeau qui me fait très, très plaisir. Mouah. Amuse-toi bien, Nanou. Oui, merci. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Elle était superbe. Magnifique. Extraordinaire. Une vraie star de cinéma. Et elle sentait bon les fleurs.